Un beau bonjour à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du karma. Je suis certaine que toutes et tous, vous avez déjà entendu ce mot-là dans votre vie. On parle beaucoup, n'est-ce pas, du karma, la loi du karma. On nous dit toujours le karma est là pour les personnes qui nous font du mal. Mais qu'est-ce que le karma? Eh bien, le karma est la loi de cause à effet. Le karma est une action physique ou mentale et chaque action a une conséquence. C'est un mot sanskrit qui signifie acte ou action. La loi du karma nous enseigne que toute nos pensées, nos paroles et nos actions forment une chaîne de cause à effet et que nous expérimenterons personnellement les effets de tout ce que nous causons. Nous ne ressentirons peut-être pas immédiatement l'effet, n'est-ce pas? C'est-à-dire le karma qui revient. Et il se peut même que ce ne soit pas dans cette vie, mais vous pouvez être certain qu'il s'en souviendra, lui. Vous pouvez toujours compter dessus. Il se souviendra de ce que vous avez fait ou dit. C'est une loi cosmique, ce qui signifie qu'elle s'applique à tout le monde, partout. Tout le temps. Et cette loi existe pour notre bien, n'est-ce pas? Cela nous permet de progresser dans l'évolution de notre âme. Comme vous le savez, les choses que nous pensons, que nous disons et que nous faisons peuvent être positives ou négatives. De la même manière, le karma peut être positif ou négatif. C'est un grand bienfaiteur qui nous renvoie l'énergie de toutes les pensées et actions aimables et aimantes que nous avons envoyées au monde. C'est aussi, notre plus grand professeur, nous rendant responsables de ce que nous faisons et nous donnant l'occasion, d'apprendre de nos erreurs et de nous racheter. Tu ne comprendras jamais la peine que tu as fait à quelqu'un jusqu'à ce qu'on te fasse la même chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis là, dit le karma. Parce que lui, il te fera vivre ce que tu as fait vivre à différentes personnes. Si vous êtes comme la majorité des gens, vous avez probablement subi un préjudice à un moment de votre vie. Peut-être qu'un ancien partenaire vous a fait du mal ou qu'un ami vous a trahi. Généralement, nous ressentons le besoin de la vengeance, de se venger de ceux qui leur ont fait du mal ou du tort d'une manière ou d'une autre. Mais il existe une meilleure option qui consiste à laisser le karma faire le travail. Il n'y a pas besoin de se venger. Le karma est une force intense dans l'univers et les personnes puissantes laissent le karma se charger des personnes malveillantes. Voici 5 raisons pour lesquelles les personnes fortes, laissent le karma faire son travail. Vous ne vous sentirez pas mieux après vous être vengé. Cela peut évidemment soulager, sur le moment ou juste avant,
mais la vengeance n'est pas si agréable. Certes, pendant un instant, vous vous sentirez mieux, oui, mais ça n'effacera pas ce qui vous est arrivé. En réalité, les personnes fortes ressentent souvent les choses plus profondément que les autres. Et une personne forte, eh bien, sait que la vengeance ne lui apportera rien de bon, car elle ressentira un mal-être encore plus profond. Et cela ne suscitera pas plus de sympathie des autres pour s'être vengé. Donc, allez au final, eh bien, il est inutile de chercher à se venger d'une personne, n'est-ce pas? Cela finit par faire plus de mal que de bien. Il vaut mieux simplement laisser le karma faire son travail. Cela peut vous causer des ennuis. Si votre partenaire a été infidèle, par exemple, il est tentant de se venger sur, par exemple, sa voiture, et pourquoi pas en crevant ses pneus. Eh bien, sur le moment, on se sent bien, mais cela peut avoir des conséquences réelles et tangibles. Vous n'avez aucune raison de vous salir les mains, n'est-ce pas? Le karma, eh bien, il veillera pour lui, même à ce que sa voiture tombe en panne ou qu'un pneu crève juste avant un rendez-vous important. Rien n'est hasard, n'est-ce pas? Évitez les problèmes et laissez le karma s'en charger à votre place. Vous ne pouvez pas affronter tout le monde. Si nous essayons de nous venger de tous ceux qui nous ont fait du tort, nous passerions, eh bien, tout notre temps à le faire. Et ça, ce n'est pas bon du tout, n'est-ce pas? La vengeance est le désir de se venger de quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est naturel, évidemment, de se sentir en colère. Cependant, eh bien, la vengeance vous place au même niveau que les personnes méchantes que nous prétendons avoir en horreur. Une personne forte sait quand s'éloigner, même si c'est frustrant au début. Mais elle sait également que le karma reviendra à celui qui lui a fait du tort. La meilleure option est toujours d'aller de l'avant au lieu d'essayer de se venger d'une autre personne. Après tout, le karma n'a aucune limite de temps, n'est-ce pas? En effet, il se chargera, une par une, des personnes qui vous ont fait du tort. Le karma revient toujours. Les gens forts, eh bien, savent que même si l'autre personne mérite une correction, le karma s'en chargera. Même s'il est tentant de se venger, cela ne vaut pas la peine de mettre cette mauvaise énergie dans l'univers. Cette force dans l'univers est très puissante. Il n'est pas nécessaire d'être du mauvais côté du karma. Il suffit juste de tourner la tête, de partir. Le meilleur karma est le succès. Rien n'embêtera plus ceux qui veulent vous voir échouer que de vous voir réussir, surtout s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que cela ne se produise pas. Une personne envieuse, eh bien, elle restera bloquée à l'endroit où elle se trouve. Une personne forte sait que le meilleur karma consiste
simplement à se relever et à progresser dans la vie. Le karma vous donnera cet élan supplémentaire dont vous avez besoin pour réussir. Même si vous ne croyez pas que le karma va s'occuper des gens qui vous ont fait du tort, eh bien, il vaut mieux garder la tête haute et se concentrer sur la réussite plutôt que d'essayer de se venger. Vous ne pourrez pas contrôler ce que fait une autre personne, ça vous le savez. Mais vous pouvez toujours vous contrôler. Il n'y a pas de meilleure revanche que de réussir face à des gens qui veulent vous voir échouer. Voilà, c'était « Qu'est-ce que le karma ?» Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé la capsule, mettez un petit pouce, ça permet à l'algorithme de faire connaître ma chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre gentillesse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, pas de vengeance, parce que ça se retournera contre vous. La loi du karma, il est là. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt.